Bien. Alors, le sujet que j'ai choisi en répondant à l'invitation qui m'a été faite, c'est celui de la forme de la Terre, donc de la question de la... savoir si la Terre est... si on pensait que la Terre était ronde au Moyen-Âge. Et, comme je l'ai rappelé dans le petit texte de présentation, beaucoup de gens restent encore persuadés aujourd'hui qu'on croyait au Moyen-Âge que la Terre était plate et que ce serait Christophe Colomb ou Copernic, voire Galilée, qui auraient montré, contre la croyance commune, qu'elle était ronde. Alors évidemment, tout ça est complètement faux, puisque les savants médiévaux savaient parfaitement que la Terre est ronde, et ça n'est pas du tout une découverte de la Renaissance, ni de la Révolution scientifique, etc. Alors, on peut se demander pourquoi beaucoup de gens restent persuadés du contraire, c'est-à-dire restent persuadés que, au Moyen-Âge, on croyait généralement que la Terre était plate, malgré le fait que les historiens sérieux rappellent constamment que c'est faux, et que même sur Internet, on trouve de nombreux sites consacrés à réfuter cette idée qu'on croyait au Moyen-Âge que la Terre est plate, etc. L'idée reçue persiste néanmoins. Pourquoi ? Je pense que la raison est très simple, simplement parce que c'est une idée reçue qui fait partie des mythes fondateurs de la modernité, qui se définit, ou qui s'est définie, disons, depuis le XVIIe au XVIIIe siècle, par opposition à un Moyen-Âge censé être obscurantiste, écrasé par la théologie, face auquel se serait dressée la Renaissance, qui aurait mis l'homme à la place de Dieu et qui nous aurait fait passer, selon une formule célèbre, du monde clos à l'univers infini. Bien, évidemment, tout ça est une simplification rétrospective qui n'a pas de fondement, ou qui plutôt a un fondement, c'est ce fondement de la mythologie fondatrice de la modernité. Alors, néanmoins, ceux qui se sont appuyés sur cette idée qu'on était censé croire au Moyen-Âge que la Terre était plate, se sont appuyés sur des textes. S'il y a effectivement des gens qui ont soutenu cette thèse, plutôt qui ont contesté l'idée que la Terre pouvait être sphérique. Alors, je vais commencer par rappeler quels sont les auteurs qui ont soutenu que la Terre n'était pas ronde. Et ensuite, je vais vous donner différents exemples et vous reconstituer un peu de façon qui ne sera pas du tout compliquée, les grandes lignes de la cosmologie et des connaissances scientifiques médiévales sur cette question de la forme de la Terre et de sa place dans le cosmos. Alors, il faut bien avoir à l'esprit que le fait que la Terre est sphérique, c'était une chose qui est non seulement admise, mais démontrée depuis l'Antiquité, et plus précisément depuis le IVe siècle avant Jésus-Christ, à l'époque où Aristote a élaboré son système de philosophie naturelle, système dans lequel il était absolument nécessaire que la Terre soit sphérique et qu'elle soit au centre du monde. On verra plus en détail pourquoi tout à l'heure. Donc si vous voulez, déjà à l'époque d'Aristote, c'est quelque chose qui ne faisait même pas l'objet d'un débat. C'était la science, les choses étaient comme ça. Au siècle suivant, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, le célèbre savant Ératosthène en avait même mesuré la circonférence avec un degré assez grand d'exactitude. Donc, si vous voulez, non seulement théoriquement, il était admis que la Terre était au centre du monde et qu'elle était sphérique, mais on avait même mesuré la circonférence. Donc, c'était un fait établi. Donc, il ne faisait aucun doute pour les savants que la Terre était ronde. Après, pour le paysan du fin fond des Balkans, je ne sais pas quelles étaient ses croyances, mais là on parle des théories scientifiques, si vous voulez, pas des croyances populaires ou des superstitions, etc. Parce que justement, dans les amalgames idéologiques concernant le Moyen-Âge, on fait souvent une espèce de micmac entre les théories scientifiques et de l'époque, et puis les croyances diversement populaires qu'on mélange. Alors, dans l'Antiquité, les seuls à avoir soutenu une thèse différente, c'est-à-dire une thèse autre que celle de la sphéricité de la Terre, c'était des prédécesseurs d'Aristote, qu'on connaît parce qu'Aristote en a décrit les théories, et principalement Anaximandre, un des célèbres physiciens antérieurs à Platon et Aristote. Donc Anaximandre, lui, pensait que la Terre avait la forme d'un cylindre, et que donc la partie où nous habitons était un disque plat, au sommet de ce cylindre qui était suspendu dans l'illimité, comme il dit. Bon, Anaximandre
était là avant Aristote, et donc ensuite sa théorie n'a plus été soutenue par personne de sérieux. Et à la fin de l'Antiquité, pour retrouver des gens qui contestent la sphéricité de la Terre, il faut se tourner vers quelques auteurs chrétiens. Pas tous, seulement quelques-uns. Ils sont principalement deux, enfin trois exactement. Le théologien latin Lactance, qui au début du IVe siècle, bon, évidemment IVe siècle après Jésus-Christ, puisqu'il est chrétien, avait critiqué, donc dans un de ses grands ouvrages qui s'intitulait « Les institutions divines », il avait critiqué la notion de la sphéricité de la Terre, en sachant très bien que c'était la notion qui était couramment admise. Et il disait « c'est ce que tout le monde soutient généralement, mais moi ça me paraît absurde ». Alors ça lui paraissait absurde parce que il pensait que dans ce cas, si la Terre était sphérique, les choses et les gens qui se trouveraient éventuellement de l'autre côté seraient à l'envers par rapport à nous, et ça lui paraissait impossible. Donc il disait comment les gens feraient pour marcher s'ils ont les pieds au-dessus de la tête, etc. etc. Bon. Cette remarque montre que ce n'était pas un très grand physicien et qu'il n'était pas tellement au niveau scientifique. Bon, on l'appelait le Cicéron chrétien, mais ce n'était pas le Newton chrétien, visiblement. Et il faut bien voir que l'opinion de Lactance ne reflète absolument pas les idées scientifiques de son temps. Et d'ailleurs, il n'a pas fait école sur ce point. C'est une opinion isolée, si vous voulez. Et au VIe siècle, on trouve deux Olybrius, mais c'était aussi des théologiens byzantins. Donc, un prédicateur qui s'appelait Théodore de Mopsueste, et surtout son disciple, Cosmas Indicoplestès, qui est l'auteur d'une topographie chrétienne. Alors, il s'appelle Indicoplestès parce qu'il avait voyagé, il décrit les Indes dans sa topographie chrétienne. Et donc, sa topographie chrétienne, c'est une espèce de vaste récit de voyage, description du monde, qui commence par une première partie dans laquelle il explique que c'est une aberration de croire que la Terre est sphérique, parce qu'à son avis, la Terre est plate et elle constitue le socle du monde qui a la forme d'un tabernacle, c'est-à-dire la forme de l'Arche d'Alliance. Bon, immédiatement, un savant byzantin, lui aussi chrétien, mais savant, si vous voulez, scientifique, Jean Philopon, a répondu à ces auteurs et s'est moqué de leur théorie, en la jugeant absurde, en montrant que c'était absolument ridicule de penser que le monde pouvait avoir la forme d'un tabernacle et que dans la Terre constituait le socle. Bien. Donc tout ça pour vous dire que les auteurs qui ont défendu l'idée que la Terre n'était pas sphérique sont très minoritaires, et que donc même chez les chrétiens, leurs vues n'ont jamais été prises au sérieux. Néanmoins, ce sont ces auteurs-là, si minoritaires et peu nombreux qu'ils soient, qui ont été montés en épingle à partir du XVIIe siècle pour ridiculiser la science médiévale dans son ensemble et accréditer l'idée qu'au Moyen-Âge, les vues les plus fantaisistes se donnaient libre cours et qu'il fallait évidemment que la modernité, sur les épaules de la Renaissance et du retour de l'Antiquité, etc., etc., remette tout ça en ordre et qu'enfin, on se fasse une idée raisonnable du monde. Alors qu'en fait, une grande partie de la science antique était loin d'avoir disparu au Moyen-Âge, comme on le verra. Alors, donc, d'après ce que je viens de vous dire, vous ne serez pas étonné de voir que dans toutes les encyclopédies médiévales et tous les ouvrages sur la nature du XIIe, du XIIIe siècle et ultérieurs, qu'ils soient en latin ou en langue vulgaire, il va de soi que la Terre est sphérique et on n'envisage même pas qu'on puisse en être autrement. Mais la force des idées reçues est telle qu'encore dans les années 1950, un grand spécialiste de la littérature médiévale, bon alors évidemment il était spécialiste de la littérature médiévale et pas de la science médiévale, mais enfin, il partageait, disons, le préjugé encore commun à son époque, Albert Pauphilet, donc c'était un grand historien de la littérature française, il s'extasiait sur le fait que dans une de ses encyclopédies, il avait trouvé de claires notions de la sphéricité de la Terre et que ça annonçait Christophe Colomb et Magellan, etc., alors qu'en réalité, c'était une banalité qui se trouvait partout. Mais, vous voyez, lui, il a ouvert une encyclopédie médiévale, il a vu qu'on soutenait que la Terre était ronde, il s'est dit, ah, quel génie anticipateur, alors qu'en fait, c'était une idée absolument banale, enseignée dans les écoles, si vous voulez. Alors justement, nous allons examiner en détail les arguments qui sont énumérés dans cette encyclopédie sur laquelle Pauphilet s'était tant extasié, précisément parce qu'il s'agit d'un des ouvrages les plus populaires du Moyen-Âge. C'est une encyclopédie qui a été écrite en français dans les années 1260 par un Italien exilé qui s'appelait Brunet Latin. Alors, Brunet Latin, c'est son nom francisé qui se donne lui-même. En italien, il s'appelle Brunetto Latini. Et il est surtout connu, il est resté célèbre dans les annales, pour avoir été le maître de Dante. Alors Dante le mentionne au 15e livre de l'Enfer, parmi la pluie de feu où il y a les sodomites. Tout d'un coup,
Vous ici, maître Brunet, alors il voit son ancien maître, il pleure à chaudes larmes, etc. Bon, évidemment, comme auteur, il l'a mis dans les sodomites, mais comme personnage de l'enfer, il est étonné de voir maître Brunet, il lui dit « qu'est-ce que vous faites ici ?» Et donc il lui dit en substance « s'il ne tenait qu'à moi, vous seriez encore parmi nous pour nous enseigner comment l'homme se rend éternel, etc. etc. » Passage très émouvant. Mais, à part le fait d'avoir été le maître de Dante, célébré de façon ambiguë dans l'enfer au milieu des sodomites, Bruné Latin était donc un homme politique important de la République florentine à l'époque, qui, vous le savez, était divisé en factions. Il y avait les Guelfes et les Gibelins qui se faisaient une guerre perpétuelle et qui s'exilaient mutuellement. D'ailleurs, Dante lui-même en a fait les frais quelques années après. Et donc, bref, à un certain moment, au début des années 1260, Bruné Latin a été exilé et il est parti en France. Et étant en France, il s'est dit je vais écrire mon encyclopédie en français, histoire d'emmerder les Italiens. Et donc, il explique dans le prologue qu'il a écrit en français parce que c'est la langue la plus commune et la plus plaisante. Et on pense, à mon avis, à raison, que c'est pour cette raison que Dante l'a mis en enfer au milieu des sodomites, parce qu'il a écrit dans une autre langue que sa langue maternelle. Or, les sodomites, ce sont ceux qui violent la nature. Vous voyez, donc, il a violé la nature. C'est dans un de ses autres textes, Dante explique que les gens qui n'écrivent pas dans leur langue maternelle violent la nature. Et donc, d'après la définition stricte de la sodomie, ce sont des sodomites. Oui. Voilà. Peut-être aussi que Bruné Latin était aussi sodomite. Mais... Bref. Donc, dans ce livre du Trésor, donc, qui est une sorte, disons, d'encyclopédie, dans la première partie de l'ouvrage, Bruné Latin résume les idées scientifiques de son temps et donc présente une description du monde avec un abrégé d'histoire, de géographie et un bestiaire qui est célèbre aussi, etc. Et donc, dans les chapitres introductifs, donc, il explique quelle est la forme du monde et la forme de la Terre. Alors, c'est intéressant, d'abord parce que c'est écrit en français. C'est un ouvrage de vulgarisation, donc les arguments sont simples. Et ça résume les idées vraiment qui étaient les plus courantes. Oui. Alors que Albert Pauphilet s'extasiait de l'originalité de quelque chose qui ne prétend pas du tout à l'originalité. D'ailleurs, l'auteur lui-même dit « Je ne suis même pas un auteur, je suis un compilateur. J'ai rien dit d'original, si vous voulez. Je ne fais que résumer les doctrines pour que les gens qui n'ont pas fait d'études puissent connaître. » Alors c'est intéressant de voir quels sont les arguments qu'il donne, Bruné Latin, pour expliquer pourquoi la Terre est sphérique et pourquoi il ne peut pas en être autrement, parce que ça nous fait entrer dans le mode de représentation médiévale directement, si vous voulez. Et ça nous montre que des arguments qui peuvent sembler surprenants au premier abord sont utilisés, et ils peuvent surtout nous sembler surprenants parce que ce sont souvent des raisonnements par analogie, basés sur des comparaisons. Alors, donc, on va avoir ça, vous inquiétez pas, c'est pas compliqué. Hein. Alors, il faut bien comprendre tout d'abord que, sur l'intérêt de partir d'un ouvrage de vulgarisation, c'est que c'est simple, alors que si on partait de traités scolastiques, on serait obligé de parcourir beaucoup de raisonnements très compliqués pour aboutir au même résultat. Bien. Donc, il faut bien comprendre que dans le raisonnement de Bruné Latin, la sphéricité de la Terre n'est pas établi a priori, en principe, c'est quelque chose qui découle de la forme générale du monde, de l'univers, que Brunet appelle l'orbe, la sphère, orbis. C'est parce que l'univers est une grande sphère que la Terre, qui est au centre, est aussi sphérique, et c'est pour ça qu'il est nécessaire qu'elle soit sphérique. Alors, Brunet Latin commence par énumérer les arguments pour expliquer pourquoi le monde est sphérique, et il va en découler les arguments pour dire pourquoi la Terre est sphérique. Alors, le premier argument qu'il donne pour expliquer pourquoi le monde est sphérique, c'est celui de la cohésion. Il explique que la sphère, c'est la forme qui permet que le contenu ait le plus de cohésion. Et il prend les exemples du tonneau qui est à peu près sphérique, si vous voulez, de la voûte et du pont, pour montrer que les structures qui sont circulaires ou semi-circulaires sont les plus solides. Vous voyez, si on veut faire quelque chose de solide, on lui donne une forme de cercle ou de demi-cercle. Le second argument, et un argument plus scientifique, si vous voulez, plus classique depuis l'Antiquité, on le trouve déjà chez Platon, chez Aristote, etc., c'est l'argument qui veut que la sphère soit la forme qui permet de contenir le plus de choses dans le plus petit volume. Si vous avez un contenant à ranger, eh bien, la forme la plus économique, celle qui permet de mettre le plus de choses dans l'espace le plus restreint, c'est la sphère. Et Brunet reprend l'exemple du tonneau pour expliquer qu'on met plus de vin dans un tonneau que dans un récipient qui a n'importe quelle autre forme. Il n'y a aucune place perdue dans la forme sphérique.
C'est une des raisons pour lesquelles la forme sphérique était considérée comme parfaite dans l'Antiquité. Le troisième argument qu'il donne est aussi un argument classique, et c'est celui qui assimile le mouvement circulaire à un mouvement perpétuel. Effectivement, dans la vision médiévale donc, et aussi antique du monde, la sphère extérieure, si vous voulez, pour autant qu'on puisse dire qu'il y a une sphère extérieure, puisque le monde n'a pas d'extérieur, mais enfin, le grand cercle qui clôt le monde est le cercle des étoiles fixes qui tournent toutes autour de l'étoile solaire. Qu'est-ce que je raconte ? De l'étoile polaire, pardon. L'étoile solaire. Et donc, Brunet reprend l'argument classique qui dit que aucune autre figure n'est si apte à se mouvoir et à tourner que la ronde. Or, il faut que le ciel et le firmament tournent et se remuent toujours. Puisque, c'est une constatation, les étoiles tournent autour de l'étoile polaire par un mouvement qui est, qu'on pensait à l'époque, être constant et immuable. Donc, puisque les étoiles tournent toutes en même temps autour de l'étoile polaire, il faut bien qu'elles soient fixées sur une sphère, sinon elles ne tourneraient pas toutes en même temps si elles étaient à des distances différentes, etc. Et si le mouvement n'était pas circulaire, donc si la forme du monde n'était pas sphérique, les étoiles ne reviendraient pas à leur point de départ une fois qu'elles ont fait leur tour. Et donc leur mouvement ne serait pas perpétuel. Elles ne retourneraient pas au même endroit, donc le monde ne serait pas parfait. Vous voyez, pour que le monde soit parfait, clos sur lui-même, et il faut qu'il soit sphérique. Et à ce moment-là, on a une sorte de mouvement perpétuel qui revient constamment sur lui-même. Et donc, pour bien comprendre cet argument, il faut se rappeler que dans l'astronomie médiévale, qui dans ses grandes lignes est inspirée d'Aristote, les cieux sont composés d'une matière qui est immuable et incorruptible. C'est pour ça que leur mouvement est perpétuel et qu'il ne change jamais. Et cette matière, c'est la matière qu'Aristote appelait l'éther, ou le cinquième élément, différent des quatre éléments dont le monde sublunaire est fait, hein, l'eau, le feu, la terre et l'air, qui se modifient perpétuellement, qui s'altèrent, qui se transforment les uns dans les autres, qui changent continuellement. C'est pour ça que rien n'est perpétuel, rien n'est permanent dans le monde sublunaire. Les êtres meurent, changent, etc. Alors que la matière incorruptible des cieux reste éternellement semblable à elle-même. C'est le cinquième élément, appelé aussi quintessence. C'est bon, bien. Donc il ne peut y avoir aucun changement dans le monde des astres. À l'exception des planètes, qui sont appelées planètes, c'est-à-dire les astres, les étoiles errantes, parce que leur mouvement est irrégulier par rapport à celui des sphères qui sont sur la. Enfin, des étoiles qui sont sur la sphère des étoiles fixes, parce que les planètes se déplacent chacune sur des sphères emboîtées les unes dans les autres, et donc elles ont des mouvements différents parce qu'elles se déplacent sur des sphères qui ne sont pas les mêmes. C'est comme ça qu'on expliquait la différence entre un mouvement apparent des planètes et ceux des étoiles. Donc vous avez un système avec une sphère des étoiles fixes, plusieurs sphères avec chacune portant une planète qui se déplace à des vitesses différentes et qui sont emboîtées les unes dans les autres. Et donc ça nous amène au quatrième argument que donne Brunet Latin, qui est que le fait que le monde soit sphérique garantit qu'il soit entièrement plein et ne comporte aucun vide, puisqu'il a expliqué précédemment que la forme sphérique, c'est celle qui est la plus compacte et qui permet qu'il n'y ait aucune place perdue. Parce qu'effectivement, selon la doctrine aristotélicienne, qui est la physique ordinaire, si vous voulez, de l'université médiévale, le vide est impossible. La nature a horreur du vide, comme on dit. Donc, dans la mesure où le vide est impossible, il ne peut y avoir aucun espace vacant dans l'univers. Donc, les étoiles ne sont pas séparées par des espaces vides, il n'y a pas de vide dans l'espace, mais par cet élément transparent, incorruptible, impalpable, qui est l'éther ou quintessence. Donc c'est la forme sphérique qui est censée, elle aussi, garantir l'absence de vide. Et donc Brunet conclut cette suite de démonstrations ou d'analogies expliquant que l'orbe, le monde global, dans sa globalité, est sphérique. Il explique, et c'est là qu'on en vient à la Terre, pour ces raisons et beaucoup d'autres, il faut, comme par nécessité, que l'orbe, donc le monde, ait forme et figure toute ronde, et que tout ce qui est inclus en lui y soit mis et établi en rond, donc on a vu les différentes sphères des planètes, de telle manière qu'une chose entoure l'autre et l'enferme en soi si régulièrement et si nettement qu'elle ne s'en écarte pas davantage d'un côté que de l'autre. Par ce, pouvez-vous entendre que la Terre est toute ronde, de même que les autres éléments qui s'entretiennent de cette manière, qui s'entretiennent, c'est-à-dire qui se tiennent les uns aux autres, c'est-à-dire les quatre éléments. Car quand une chose est enclose et environnée dedans une autre, il convient que celle qui est enclose tienne celle qui est enclose
et que l'enclose soutienne celle qui l'enclôt. Vous voyez, donc les différentes sphères se soutiennent mutuellement. Celle qui enclôt, elle empêche ce qui est dedans de s'éparpiller, et celle qui est enclose, elle soutient le reste. Vous voyez, donc tout est. Et alors, il prend justement, pour illustrer par une image le fait que tout se tient, si vous voulez, dans cet univers, il prend l'exemple d'un œuf, dans lequel il n'y a pas de vide, l'œuf est plein, mais la partie la plus légère, donc qui est assimilée, donc le blanc de l'œuf qui est assimilé à l'éther, cette quintessence transparente des cieux, elle est située plutôt vers l'extérieur, tandis que la partie la plus dense, le jaune, est située à l'intérieur et elle est ronde. En effet, explique-t-il, bon, vous allez me dire qu'un œuf, c'est pas rond, c'est ovale, mais qui est-ce qui ricane? Bon, alors, en effet, explique-t-il, il faut en toute chose que celle qui est plus dure et plus lourde soit toujours au milieu des autres. Parce que plus elle est dure et de solide substance, mieux elle soutient les autres qui sont autour d'elle. Et plus elle est lourde et pesante, plus elle occupe le milieu et le fond des autres qui sont autour d'elle, de telle sorte qu'elle ne puisse plus descendre ni monter, ni aller de ci, de là. Et c'est la raison pour laquelle la Terre, qui est le plus lourd élément et celui dont la substance est la plus solide, est assise au milieu de tous les cercles et de tout ce qui l'entoure, c'est-à-dire au fond du ciel et des éléments. Oui. Donc, la raison finalement physique fondamentale pour laquelle la Terre est sphérique et qu'elle est au centre, c'est que c'est l'élément le plus lourd, le plus dense. Et donc, si vous vous représentez... J'ai amené des feuilles pour faire un petit schéma. Si vous représentez donc l'orbe, bon, imaginez que ça soit un cercle parfait. Hein. Donc, dans la théorie aristotélicienne, qui est la théorie standard, vous avez ce monde qui est sphérique et qui ne comporte pas de vide. Bon, les différents éléments qu'il compose sont plus ou moins denses et pesants, plus ou moins raréfiés et légers, selon leur nature. Donc, le moins dense et le moins pesant, c'est l'éther qui compose donc les cieux jusqu'à la sphère de la Lune, donc mettons qu'elle soit là. Vous voyez que ça commence à ressembler à un œuf. Alors, donc ici on a l'équivalent du blanc de l'œuf, donc qui est cet éther incorruptible et qui est incomparablement plus léger et subtil que les autres. Et puis ensuite, vous avez les quatre éléments qui sont plus ou moins régulièrement ordonnés en fonction de leur densité. Donc vous avez vers l'extérieur, c'est-à-dire les plus proches de la sphère de la Lune, la sphère du feu, qui est l'élément le plus léger et le plus raréfié. Et dans la théorie aristotélicienne, Aristote explique que le feu s'élève naturellement parce qu'il veut regagner son lieu naturel qui est élevé. Ensuite, vous avez la sphère de l'air, qui lui aussi est léger, donc qui tend à monter naturellement, sauf s'il y a quelque chose qui l'en empêche. Mais il est moins léger que le feu, donc il est situé dans une sphère. Ensuite, vous avez la sphère de l'eau, où là, on n'est plus dans les corps qui sont légers et qui tendent naturellement à s'élever, sauf si un obstacle les empêche, mais dans les corps graves, ou les corps pesants, qui tendent naturellement à descendre, sauf si on les en empêche. Donc l'eau, évidemment, l'eau, si vous la versez, elle tend naturellement à descendre. Bien. Et au milieu, vous avez le corps le plus dense et le plus lourd de tous, qui est la Terre. Et donc, si vous avez un caillou ou n'importe quelle chose faite de terre et que vous la lâchez, elle va tendre naturellement à descendre. Et si elle rencontre de l'eau, elle va tendre à aller au fond de l'eau, ce qui montre bien que c'est le corps le plus dense. Bien. Et donc, dans cette configuration, la Terre est nécessairement au centre, puisque le monde étant sphérique, quel que soit l'endroit où on se trouve, si un corps doit descendre, il va descendre vers le centre. Oui. Donc, n'importe quel lieu est... orienté en fonction d'un centre qui est au milieu de la sphère. Voilà. Donc, il est dans ce système, il est absolument nécessaire et évident que la Terre est au milieu. Alors, simplement, la différence entre les sphères des quatre éléments et puis les sphères célestes, c'est que les sphères célestes sont de véritables sphères, elles sont immuables, alors que les sphères des quatre éléments ne sont pas des vraies sphères, parce que les éléments se corrompent et se transforment les uns dans les autres. C'est pourquoi vous n'avez pas la Terre parfaitement ronde avec de l'eau en couches parfaitement égales dessus, sinon on ne serait pas là pour en parler, il n'y aurait pas de terres émergées. Donc il arrive qu'il y ait des eaux souterraines, des montagnes qui s'élèvent, etc. Toute variation et imperfection qui s'explique par le fait que les éléments se transforment. Donc la Terre est grosso modo sphérique, mais elle n'est pas parfaitement sphérique, il y a plein d'irrégularités, et c'est ce qui permet aussi d'expliquer que dans sa providence, Dieu en créant le monde a fait en sorte qu'il y ait des terres émergées pour pouvoir créer l'homme, qui est le but de la création divine dans l'image chrétienne du monde,
Et donc, pour pouvoir créer l'homme, il fallait qu'il y ait des terres émergées. Donc, il fallait que la Terre ne fût pas exactement sphérique. Donc, il fallait que les éléments puissent se transformer les uns dans les autres. Voilà. Oui, ça se tient parfaitement. Vous allez sortir d'ici convaincu que cette vision est... Bon. Bien. Donc, à partir de ce moment-là, donc, il va de soi que la Terre est un corps grossièrement sphérique et qui est au centre du monde. Bien. René Latin utilise une autre analogie, puisqu'il aime beaucoup les analogies et les comparaisons. Il dit « La Terre est pareille à la pointe du compas, qui est toujours au milieu de son cercle, si bien qu'il ne s'éloigne pas d'un côté plus que de l'autre. » Bon. Alors, comment ? Oui, allez-y. Dites-la fort. Avec la durée de son cercle, oui. Où est-ce que les étoiles et les planètes ? Ah ben. Alors, on va répondre là pour ce coup-ci, mais normalement, oui, c'est oui, d'accord. Après, hein, oui. Alors, ça, mais, non, mais pour que ça soit bien clair, voilà. Parce que s'il y a un problème là-dessus, oui, il faut mieux répondre tout de suite. Voilà. Donc, je l'avais dit, mais je vais le répéter peut-être plus. Si vous voulez, les étoiles, avec les constellations, etc., toutes les étoiles, autres que les planètes, sont sur la sphère des étoiles fixes. C'est la sphère qui est la limite extérieure du monde, si vous voulez. Bon. Et ensuite, vous avez une série de cercles, de sphères concentriques qui portent les différentes planètes. Saturne, Jupiter, Mars, le Soleil, Vénus, Mercure. Et la Terre, évidemment, n'est pas une planète, c'est pas un astre errant, puisqu'elle est au milieu. Après, dans le système copernicien, dans le nôtre, la Terre fait partie des planètes. Mais dans ce monde-là, la Terre n'est pas une planète, puisque par définition, une planète se meut, alors la Terre ne se meut pas. Bien. Et puis... Le dernier corps, planète est la Lune, oui, qui tourne autour de la Terre comme les autres. Et la Lune, la sphère de la Lune, marque la limite entre le monde sublunaire, qui est composé des quatre éléments, et puis tout ce qui est à partir de la sphère de la Lune, incluse jusqu'à la sphère des étoiles fixes, c'est entièrement composé de cet éther, de ce cinquième élément, qui est complètement différent des quatre éléments. En principe, sauf théorie alchimique ou magique ou autre, la quintessence ne vient pas chez nous, elle reste là où elle est. Alors, Brunet Latin explique aussi que, bon, ça c'est quelque chose qui est faux, mais il en est convaincu. Il dit, c'est pour cette raison, parce que le plus dense tend à aller le plus vers le centre, parce que c'est son lieu naturel, plus on creuse la Terre en profondeur, plus on la trouve lourde et pesante. On va dire que c'est une vue de l'esprit. Mais en fait, ce qu'il veut dire, c'est que quand vous creusez le sol, au début, vous avez de la terre meuble, et puis au bout d'un moment, vous rencontrez le rocher dur, les veines métalliques, les pierres, les métaux, etc. Donc, le plus dense est en bas. Alors, il donne un ultime argument qui est très, très intéressant, si vous voulez. Et c'est ça qui avait fait sursauter Pophilée quand il a lu ça, qui s'est dit, c'est génial, quelle anticipation. Il dit, il y a encore une autre raison par laquelle il apparaît que la Terre est ronde. C'est le dernier argument qu'il donne. Il dit, c'est que s'il n'y avait sur la face de la Terre aucun obstacle, c'est-à-dire si la surface de la Terre était continue, qu'on pouvait marcher sans rencontrer d'obstacle, et qu'un homme pouvait aller partout, il irait tout droit autour de la Terre, jusqu'à s'il revienne au lieu même d'où il était parti. Et si deux hommes, en un lieu et en un jour, c'est-à-dire partis du même lieu, le même jour, se mettaient en route, l'un vers le soleil levant, l'autre vers le soleil couchant, ils se rencontreraient en ce lieu qui serait de l'autre côté de la Terre, du côté opposé à celui dont ils seraient partis. Alors, pour filer, il fallait avoir une crise cardiaque en se disant c'est génial. En fait, c'est une idée que... c'est une image, si vous voulez, celle de bons hommes qui se rencontrent de l'autre côté, que Brunet Latin a trouvée dans une encyclopédie antérieure qui s'appelle « L'image du monde », écrite aussi en français par Gauthier de Metz. Et c'est une éliminure tirée de cet ouvrage qui a sur la fichette qu'on avait faite. Oui, vous avez ici les deux bons hommes qui partent du même endroit au même moment, et puis ils avancent et ils se retrouvent de l'autre côté, aux antipodes. Alors, cette image est extraite du manuscrit français 574 de la Bibliothèque nationale de France, qui est du XIVe siècle. Il y a beaucoup d'autres images du même genre. Hein. Donc, oui, même cette image des deux bons hommes qui se rencontrent de l'autre côté n'a rien d'original en soi. Alors, ça nous amène, justement, bon, maintenant, je pense que vous êtes tous d'accord sur le fait que la Terre est ronde, qu'il n'y a pas à en discuter, ça nous amène à une autre question qui est, sachant que la Terre, disons, est grosso modo sphérique,
qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Est-ce qu'on peut en faire le tour? Et en fait, l'image, la comparaison qui est donnée par Gauthier de Metz et par Brunet Latin, est une image purement théorique. Parce que dans la vision du monde, disons, géographique, qui est celle des hommes médiévaux, qui est d'ailleurs la même que celle de l'Antiquité, la partie habitée du monde, c'est-à-dire la partie correspondant aux terres émergées, est assez réduite. Donc c'est ce qu'on appelle en termes savants l'écoumène, d'un terme grec qui signifie la zone habitée, si vous voulez. Donc cette écoumène, cette partie habitable du monde, en fait elle correspond à peu près à un demi-hémisphère, c'est-à-dire un quart de la circonférence du monde. Oui. Vous avez l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, vous prenez un demi-hémisphère et vous avez à peu près l'ensemble des terres qui étaient connues à l'époque et considérées comme les terres émergées, donc avec l'Asie, l'Europe et l'Afrique. Évidemment, il y a des mers dedans, c'est pas parfaitement régulier, tout ça, il y a des îles, etc. Mais grosso modo, ça occupe un quart de la circonférence terrestre. Le reste est censé être ou bien entièrement composé d'eau, d'un vaste océan entourant les terres émergées, ou bien composé, autre hypothèse, mais évidemment impossible à vérifier à l'époque, donc c'est une question discutée, ou bien composé en grande partie de cet océan, et peut-être de terres situées de l'autre côté, c'est-à-dire aux antipodes. Alors, on confond souvent, de nos jours, la question des antipodes avec celle de la sphéricité de la Terre. Mais ce sont deux questions qui sont bien différentes. Il ne fait doute pour personne que la Terre est sphérique. Mais le fait de savoir s'il y a des terres émergées de l'autre côté, s'il y a des habitants ailleurs que dans le quart de circonférence qu'on connaît, c'était une question débattue, et qui risquait d'être débattue longtemps tant qu'on n'était pas allé vérifier, puisqu'on n'avait aucun moyen empirique de le savoir. En fait, il y avait un argument donné par certains, un argument de type théologique, pour discuter la possibilité des antipodes. C'est un argument qu'on trouve par exemple chez saint Augustin, qui explique que, puisque déjà à l'époque de saint Augustin, dans l'Antiquité, on discutait de cette question des antipodes, etc. Y a-t-il des antipodes? Lui disait, c'est embêtant du point de vue chrétien, parce que dans la mesure où le Christ est venu apporter la révélation à l'ensemble de l'humanité, s'il y avait une humanité inconnue de l'autre côté de l'océan que personne n'a jamais vue, alors comment aurait-elle eu la révélation du Christ? Donc ça veut dire que la révélation du Christ n'est pas universelle, catholique, mais partielle. Non, c'est pas possible. Donc il n'y a pas d'antipode. Mais pas du tout parce qu'on pensait que la Terre était plate et qu'il n'y avait rien de l'autre côté, parce que simplement, théologiquement, c'était difficile de soutenir qu'il y ait des gens de l'autre côté qu'on n'aurait jamais vus. Alors, cette question de savoir, donc, quelle était l'étendue de l'océan entourant les Koumen, la partie habitée et connue de la Terre, et la question des antipodes, elle est au cœur du projet de Christophe Colomb, de accéder aux Indes par la voie des mers, par l'Ouest. D'où est venu ce projet? Ce projet est venu d'abord d'une raison matérielle, c'est que les Turcs occupaient les lieux saints et une partie de la... Donc la route habituelle des Indes était coupée par voie de terre, et donc on cherchait une alternative. L'alternative, elle était possible de deux façons. Soit, comme avaient commencé à le faire les Portugais, en explorant les côtes de l'Afrique, jusqu'à ce qu'on trouve le moyen de la contourner pour aller aux Indes. Et puis en fait, plus ils descendaient, plus ils apercevaient que l'Afrique continuait, en fait, bon. Et autre possibilité, celle que soutenait Christophe Colomb, c'est on pourrait essayer d'y aller de l'autre côté. On finira bien par arriver en Asie, puisqu'on sait que de l'autre côté, il y a l'Asie et que la Terre est ronde. Donc, les raisons qui ont fait qu'il a eu des difficultés pour trouver de quoi sponsoriser son voyage et que ça ne s'est pas fait d'abord très facilement, c'était pas du tout, comme le raconte une légende idiote, vous voyez, celle de l'œuf de Colomb, etc. Pas du tout parce que les gens étaient choqués de l'idée que la Terre soit ronde, simplement parce que il semblait que la distance à parcourir soit trop grande pour que le voyage soit possible. C'est, le problème, en fait, c'était celui de savoir quelles étaient les dimensions de la circonférence terrestre, pour savoir si le voyage était possible. Alors, en effet, il y avait différents calculs qui étaient contradictoires. Certains calculs, en particulier ceux de Ptolémée, soutenaient qu'en fait, la Terre était plus petite qu'elle n'est en réalité, telle qu'on la connaît aujourd'hui, et telle que l'avait calculé Ératosthène. Dans ce cas-là, ça pouvait rendre possible le fait d'y aller par voie maritime, parce que la distance à parcourir paraissait pas insurmontable. Alors que si on considérait qu'il y avait un immense océan
qui est... vous voyez, aucun équipage, avec les techniques de l'époque, n'aurait pu survivre pour arriver de l'autre côté. Donc c'était ça le problème. Alors en fait, c'était pas du tout donc la crainte de franchir les colonnes d'Hercule ou je ne sais quelle superstition, puisque de toute façon les colonnes d'Hercule, elles avaient été franchies depuis belle lurette, puisque les Portugais avaient découvert les Canaries, les Açores, ils exploraient l'Atlantique allègrement, ils exploraient non seulement les côtes de l'Afrique, mais toutes les îles environnantes, etc. Il n'y avait aucun problème d'aller dans l'Atlantique, si vous voulez. Bon. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, Colomb a eu de la chance, c'est que donc quand il a trouvé les financements pour faire son voyage, il est arrivé à peu près à la distance qu'il avait estimé, dans un endroit qu'il croyait être l'Asie, et qui se trouvait être l'Amérique. Il a eu la chance qu'il y ait quelque chose entre l'Europe et l'Asie, sinon on n'aurait jamais plus entendu parler de lui. Et d'ailleurs, il est mort persuadé qu'il était arrivé en Asie. Ce n'est pas lui qui a découvert, entre guillemets, l'Amérique au sens de découvrir et d'avoir conscience qu'on a découvert quelque chose. C'est, quelque temps après, après sa mort, enfin après ses voyages, un Florentin qui s'appelait Amerigo Vespucci, qui le premier a dit, en fait, ce sont des terres nouvelles, ce n'est pas l'Asie. Et c'est pour ça que le continent n'a pas été appelé la Colombie, mais l'Amérique, par des géographes strasbourgeois d'ailleurs, de Saint-Dire, en 1507, qui, ayant tracé une première carte des côtes orientales de cette terre nouvelle, l'ont appelée America, en hommage à Amerigo Vespucci, qui était effectivement le premier à avoir dit que ça n'était pas l'Asie. Donc en ce sens, si vous voulez, c'est Amerigo Vespucci qui a intellectuellement découvert l'Amérique, puisque c'est lui qui a compris que c'était pas l'Asie. Excusez-moi, alors la Colombie, c'est Christophe Colomb Ah, la Colombie a été appelée comme ça en hommage à Christophe Colomb. Comme la ville de Columbus dans l'Ohio, il y a plein d'endroits en Amérique qui rendent hommage à Colomb. Mais le nom du continent, c'est pas la Colombie, parce que lui, Colomb, il est mort persuadé d'avoir découvert l'Asie, enfin, pas d'avoir découvert, mais de l'avoir jointe, voilà, de l'autre côté. Voilà.